Attends, merde. Attends, vous entendez pas. Merde, mon raccourci marche pas. Ah.
Attendez. Ah oui. Allez, on y va, on l'a refait. Enfin, on l'a fait. Ouais. Maintenant, on vous entend. Là, Bonjour, bonjour. on se retrouve pour Ouais. 21h. Ouais, 21h, on va l'appeler. On est en Ouais. compagnie de Andy. Ouais. De Prax. Salut. Et de Loulou. Wesh la street, c'est Loulou. Et de Tommy, c'est l'autre qui va arriver. Je sais même plus qui c'est quand. L'autre. 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 J'ai Cette tellement pas envie. chose. Voilà, l'autre. Commençons vite parce qu'on est déjà beaucoup en retard. Certes. Est-ce qu'on parle de Koh-Lanta? Ouais. Un peu? Brièvement. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, hein? Bah, faut... j'ai même pas, enfin j'ai suivi mais de côté quoi. C'est en mode, je jouais et en même temps j'avais Koh-Lanta au-dessus quoi. C'est pas dingue. C'est qui Manifestement, tu n'es pas très qui? satisfait des qualifiés. Non mais c'est les pires. En fait, genre les deux Xantège, c'est les deux que je voulais voir moi. Mais bon, du coup bah. C'est qui Katej? Arnaud et Laure. Laure. Bon, pour moi, Jonathan a totalement sa place et c'était le seul en soi, vraiment qui a totalement sa place. Vous êtes au courant que Attends. Maxine a déjà gagné les poteaux là? Ah bah oui, non, quoi que Jonathan C'est pas sûr, peut. hein, Jonathan. Jonathan peut nous faire une petite. Il est fort en statique aussi. Et Lucie? Non. Oh, Vaut mieux Lucie, pas. elle va faire un pouf, hein, assez rapidement. Mais pourquoi Lucie elle est là encore? Les armes secrètes, Sauvé par les armes. hein. C'est la candidate emblématique de l'arme secrète, hein, c'est. C'est catastrophique. Vivement la prochaine saison, hein. Vraiment. Ah ouais, qui ait plus ses armes Mais secrètes. même la saison Exactement. d'ancien va me faire du bien, même s'il y a trop de. Même si, genre, sur Twitter, ça va être en mode ouais, vive Claude et tout, je m'en bats les couilles, hein. Je veux une Non, nouvelle saison, ça va être vite. bien, ça va être Mais bien. on s'en Là, fout j'en de ai marre. Hein. Twitter. Parce que cette saison, elle m'a. C'était bien. Et c'était plus bien. Mais vraiment C'est quoi? plus bien, genre. C'est passé de c'est catastrophique là, je dis, y a rien à retenir. Du coup, il y a Tomix et Quécante. Oui. Viennent. Tomix, un avis sur cette saison peut-être, parce que toi tu suis quand même beaucoup plus. Bon, ça fait, je sais pas, ça va faire 4-5 épisodes que Ah j'ai oui, c'est vrai. quasiment pas J'avais regardé, oublié donc ce détail. j'ai juste vite fait regarder à moitié cette saison-là, et en vrai, Pas fan du éclaté, c'est de principe la des armes merde, c'est nul à secrètes. chier. En même Alors, c'est la temps, même le chose que la semaine principe, dernière avec il Laurent. est terminé là, hein, le principe des armes secrètes. Hein. C'est de la Mais merde, même je déteste. l'orientation était pas belle, hein. Oh bah non, Oh, mais mais il est les déjà gens étaient 21 longs, il y a eu heures. du vol. Le Non mais seul truc même. drôle, c'était le poignard solo. Ça je l'accorde. Ah, ça c'était. Ça aurait pu être fait dans KLM par exemple. Ça, c'était du loulou tout craché. Voilà. Ça j'ai Ouais. apprécié. Ça, j'ai quand même apprécié. Ça, c'est un bon point. Je félicite. Bref, passons. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. De toute façon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de débrief de Koh-Lanta. Hein. On verra qui gagne et puis voilà. Ah bon? Je pense. Hein. On peut déjà peut-être prédire ce qui va se passer, genre qui a choisi Ouais, qui. qui voyez-vous? Voilà, en gagnant les deux finalistes et ensuite le gagnant. En vrai, je vois bien Martin et Julie. D'accord, ouais, Lucie, non, ça c'est. Jonathan, Lucie. Jonathan, Lucie pour Tomix. Qui gagne les poteaux? Jonathan, Lucie. Jonathan. Lucie. Jonathan. Jonathan qui choisit Lucie. Lucie. Je dis Lucie parce que Moi, je dis l'autre, Lucie qui pourquoi? gagne et qui choisit le troisième. De toute façon, s'il gagne pas les poteaux, il est éliminé. Hein, donc, Bah, c'est sûr. Hein. Ouais, mais logiquement, mes Maxime. filles vont choisir. Ah! Maxime, Lucie, ça Bref. a pas l'air d'être proche, hein. Bien sûr Si, que quand si. même. Ah, moi, j'ai pas l'impression. Bon, Ouais, elle l'a sauvé 3 fois avant. Donc, Oui, mais après, elle Jonathan, a je suis failli la pas tête. sûr Non, certes, qui certes. choisirait, Lucie ou Maxine. Hein, je sais pas. Hein, parce que Maxine, c'est une rouge. Jonathan a quand même été assez proche des rouges tout Et le pour long. moi, Donc, je sais Jonathan pas. prendra Maxine, ça c'est sûr. Ouais, Maxine sera en non. finale. Ça, c'est presque sûr pour moi. Après, sauf si je la joue stratégique en mode qu'il a plus de chances de gagner contre une Lucie qu'on contre Maxine. Ah, mais ça, c'est certain. Hein. Mais Jonathan Ça joue dépend. stratégique. Je sais pas. Ah, C'est je la suis pas sûr. finale, hein. Oui, C'est moi comme aussi. avec Claude, hein. Tout le Bah, monde adorait Claude, il a mais joué ils n'ont pas stratégique pris. sur l'orientation, justement. Oui, Monsieur justement. le mérite depuis le début de l'aventure, et bah finalement, il se retrouve à devoir faire un sale coup, donc. Bah, Maxine l'a fait aussi, Jonathan l'a fait. Il n'y a que Tomix qui a joué mérite. Hein. Atomix? Sinon, Ouais. Petit point sport, la finale de Ligue des Champions vient de commencer, il y a 1 minute. C'est qui contre qui? C'est précis. Oh, Chelsea, c'est City-Chelsea. con.
1 minute 13, plus précisément. Quand et c'est sur RMC pour ceux qui veulent voir. C'est Galaxy qui m'a informé. RMC, bien sûr, hein, il faut payer. Sinon, Alors, non, RMC, non, c'est gratuit. Pas payant. Hein. C'est parce que c'est la finale de LDC, donc. Ça va alors. Mais on va évidemment regarder quand même. Pas sur RMC. Bah, t'es un peu con, du coup. Et là, moi, je ferai un point Minecraft Championships aussi pour ceux qui s'intéressent. Voilà. C'est Alex sur le stream, oui, mais sinon. C'est pas dingue. Bon, passons. Je vais commencer avec les jeux vidéo. Voilà, moi comme ça, c'est fait. Première info. Le studio Rockstar Games vont fonder un label de musique. Ah, c'est étonnant. Hein. Aucun rapport entre les choses. Le label va s'appeler Circo Loco Records. Mmh. Et du coup, bah, ce sera un label de musique fondé par un truc de jeux vidéo. Quoi. Rockstar. C'est ceux qui font GTA. Et donc, genre, ils vont mettre quoi ? Des musiques de leur jeu dessus ? Non, un label, en clair, Loulou, un label, c'est... Il y a des artistes, ils signent chez un label. Oui. Et c'est le label qui doit faire la pub. Qui c'est, doit, comme, c'est comme Webedia. Voilà. C'est un peu les managers. Voilà, c'est comme le Webedia de la musique. Ouais, ouais, mais j'imagine que, justement, ceux qui signent le label pourront avoir leur musique intégrée dans certains jeux. Ah, bah ça, je pense fortement, oui. Genre, dans GTA, je vois leur musique dedans. Sur les radios de GTA. Et les radios GTA et tout, ouais, c'est possible. C'est mais ils veulent pas faire GTA 6 avant ça ? Bah, pas d'infos. En fait. Ça, c'est. Toujours pas. Bon. Autre info, une adaptation en film. C'est Portal qui va être adapté. Oh, ça, ça peut être pas mal, par contre. C'est original, ouais. Du coup, par le studio, bah, par Warner Bros. Ça va être pas mal. Vous mettre pour le film. Et il y a un petit trailer, mais Coca a pas pu l'avoir parce que bah, ils ont un lien. Il est un peu compliqué à choper, il est pas sur YouTube. Et puis il est peut-être copyright. Et c'est stylé. Mais c'est genre, mais ça va être en full mode. Ouais, ça va être. Ça va tu cool, peux hein. pas envoyer le lien dans le chat, bye. Bah le lien est aussi bugué donc. Et c'est comment ? C'est en live action ou c'est Ça m'a l'air d'être en live action de ce que j'ai vu. Ouais, c'est un live action, c'est un vrai film quoi. D'accord, c'est étonnant. Intéressant. Ça va être du full science-fiction et tout, ça va être cool, hein. Warner Bros, ils sont pas mal pour ça. Ah, mais ça va vraiment être cool. Ça, c'est vraiment une bonne réadaptation. Mm. Et j'attends vraiment de voir ça, et je pense que s'il sort bientôt, j'irai voir. Curieux. Autre petite info. Maintenant, c'est l'inverse, c'est un film qui passe en jeu. Marsupilami. Jeu de Marsupilami. Ça dépend, à tester pourquoi pas, mais c'est pas hyper intéressant. Non, pas à tester. Ouais, pas du coup, regarder. Ça sera en forme de platformer. Bon, ça me paraît. Bah, logique, ça. Mario, mais j'attends à voir aussi les graphismes hein, qu'on nous pompe pas c'est en un truc Mario, de merde. C'est un Mario jaune et noir. Bah, c'est immonde quoi. C'est Marsupilami. Non, c'est pas immonde, mais c'est un niveau Marsupilami quoi. Voilà. Ok, ouais, c'est le genre. Le jeu va s'appeler Marsupilami, les secrets du sarcophage. Déjà, ils ont fait un petit air Indiana Jones. Le Marsupilami, il ressemble pas au vrai Marsupilami de mon enfance. Ah non, mais oui, allez voir le Marsupilami. Il est moche, hein. C'est pas ouais, je vois. Ah non, mais on dirait, tu sais, les Marsupilami, genre sur des emballages de boissons ou des trucs genre, en mode. Genre, tu sais, dans les trucs McDo, les off McDo. Oui, voilà, ah, oui. Tout à fait. voilà, c'est ça. C'est comme les cartes Pokémon McDo. Merci à Prax aussi, du coup, pour le sub. Merci, Brax. Là où ça peut être intéressant, ce jeu, c'est si c'est jouable en multilocal. Ça peut être un bon non, petit jeu sympathique. C'est bien pour les enfants, voilà. Voilà, c'est ça. C'est drôle. C'est sûr que ça va marcher pour les enfants. Hein. En bah, surtout que ça allait être assez lumineux. Oh, il est dégueulasse, Marsupilami. Oh la rage du titre. En parlant d'un jeu qui a sûrement percé vos enfances, Sonic revient. Oh, la Switch. Et sur PS4 ouais. Et sur PC. Ah, PC. Avec Sonic Color Ultimate. Bah, ouais, ils sont en anglais. Plateforme PC. Pas de prix de 3D. Des petits bonhommes comme ça me rappelle Sonic sur DS. Ah, oui, non, mais c'est vraiment. C'est vraiment une suite, quoi. Non, je crois que c'est carrément un remake, hein. C'est un remaster du jeu de 2010. Ah mais je l'avais le jeu, je l'ai sur Wii. Mais moi je l'ai sur DS. Ah ouais, bah oui, je l'ai. Bah oui, il était nickel ce jeu, je l'avais adoré. Ouais, mais non, je préférerais une suite qu'un remake, perso. C'est pas un remake, c'est un remaster. C'est-à-dire que les graphismes, normalement, ils vont être en rendez-vous, j'espère.
Et puis même, je pense qu'il y aura d'autres mécaniques. Si ça sort sur PC, je pense que les graphismes vont être là. Hein. Mais ça sera PC, Xbox, PS4. Mais non, mais c'était ça, top avec les petits aliens avec leur pouvoir là. Non, c'était nickel. Et bien sûr, sur PC, devinez d'où ça sort. Steam ou Epic Games? Epic. Epic Games. Sur Epic. Game, bien sûr. Ouais, ils ont Epic tout. Games, c'est... ils ont tout. Ouais, bah, ça commence à être... D'ailleurs, j'ai vu, il y avait Among Us gratos dessus. Ouais, d'ailleurs. Mais Among Us gratos, mais je l'ai déjà dit. Là. Non, j'ai dit NBA. Voilà, NBA, mais... Among Us. Hein. Comme ça, Among Us, on pourra peut-être refaire des lives Among Us, mais cette fois-ci avec des mods. Non. Comme tout le monde l'aura sur PC. Ouais, je voudrais juste faire une aparté. À votre avis, est-ce que Epic Games va pas écraser Steam au bout d'un moment avec Non, Steam, c'est déjà trop gros. Écraser, non, mais il y a une concurrence. Surtout que maintenant, ils ont annoncé que Steam allait sortir sur Switch. Sur Switch, sur PS4 et sur Epic Games, en fait, Epic Games, c'est juste ils ont des putains d'offres et du coup, ça les gens l'utilisent. Ouais, mais en vrai, en termes de launcher et en termes de juste de, d'offres totales, en fait, déjà un truc de base, les clés instant gaming, il n'y a pas de clé instant gaming Epic Games. Si de base, non, il n'y en a pas. Hein. T'es sûr? Certain. Ok, c'est sûr. Donc, déjà, juste ça, attention, par oui, il y allait avoir un but à City, mais non. Du coup, gueule, voilà. Tu me spoil. Ensuite, autre petite info, Far Cry 6. Il y a un trailer de 8 minutes qui a leak. Montrant les personnages. Du coup, ça sera un personnage féminin et un personnage masculin. Ça va choisir. Ah, voilà, parité. Voilà, comme ça, il n'y a pas de soucis. Du coup, c'est un trailer pour la femme. À quoi un personnage non-binaire avec le pronom Yel dans le jeu? Jamais. Parce que c'est. Surtout que c'est censé être un jeu de l'époque, donc. C'était pas le bon trailer, ça. C'est pas grave, Coca. On t'avait pas. J'ai vu un spoiler. Coca, faut que tu ranges mieux tes scènes. Hein. Non, mais c'est pour ça. Mais Coca, il a du mal à chaque fois. Hein. Faut que tu les rename. Ouais. Peut-être Coca, c'est juste. Voilà, c'est juste. Je sais pas s'il y a un asset ou pas, donc je lance tout ce que j'ai. Mais je devrais t'envoyer tout le programme complet. Bah oui, puisque moi j'ai pas. Cette fois, tu peux le lancer le trailer. On a eu un trailer d'Horizon Forbidden West. C'est même pas un trailer, c'est un gameplay. Une suite d'Horizon Zero Dawn, archi chaud. Ouais. Et il est magnifique. Incroyable. Horizon Zero Dawn, jeu le plus sous-côté de l'histoire. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles annonces pour Ark 2 aussi. Il y a déjà un DLC Ark qui doit sortir, donc 200. Mais Horizon Zero Dawn, une suite, je suis archi chaud. Hein. Bah, et c'est la suite. Hein. Bah ouais. Ouais. Va voir. Je sais pas s'il sera jouable en multi cette fois. Bon, ça, c'est la surprise. Mais le jeu est vraiment. Il est dingue. Ce serait bien en multi. Hein. Et du coup, ouais, bah, ça se gardera en encore. Vous savez, le système avec les monstres à tuer et tout. De quoi et, bah, ça, le système avec les monstres à tuer et tout, ça gardera le même système et tout. Genre les fights de boss, toujours aussi intense et tout. Ce sera cool. J'espère qu'on pourra apprivoiser plus de dinos. Ça sera. Pas, parce qu'on pouvait pas tous les apprivoiser. Dinos, wesh, c'est des oui, robots, mais c'est bon, c'est des dinos robots. Mais bah, alors, ça, on pourra en apprivoiser plus parce que, genre avant, on pouvait pas apprivoiser les tigresses robots et tout. Du coup, ouais, ça reste à voir, mais ça va être cool. Ah, et dernière info, encore une adaptation du coup film-jeu, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Oh, oh. Alors je sens quand même le truc arriver en mode graphisme. Je trouve que ça va flop. Hein. Alors, pour l'instant, il y a zéro graphisme. Ça va être les trucs cartoon à chaque fois, comme ils sortent Marvel. Là, les trucs... Oh non. J'espère que ça va être un beau truc. Ça va être moche. Non, mais ils ont tellement le potentiel de faire un succès avec ce jeu que j'espère qu'ils vont. Moi, je vois tellement de trucs en mode Disney Infinity limite. Hein. C'est non, vraiment... non, c'est au niveau des graphismes, ça va être ça. Ça va vraiment être cartoon. Hein, vraiment. Parce qu'on a déjà le développeur connu. Et c'est qui? Un petit Square Enix. Ah, bah ça. Bah, alors, c'est que ça devrait aller. Ça va. Normalement, ça va. Square Enix, c'est pas. Ah, Square Enix et Kingdom Hearts, c'est Final Fantasy surtout, donc bon, au bout d'un moment... Mais c'est pas le jeu Telltale, ça c'était déjà un truc sorti. Non, ça c'est vraiment un nouveau jeu, okay. Gardien de la Galaxie, posé. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait eu un jeu Telltale. Ils ont un potentiel de faire un truc énorme avec ce jeu. Et du ah coup, bah oui, Gardien de la Galaxie, l'univers, il est énorme. Hein, tu il peux va faire, être développé hein. Au studio de Montréal. Voilà, bon, quand même la francophonie, on respecte. Bonjour le Québec. Et voilà, du coup, c'est tout niveau jeu vidéo. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, c'est pas c'est mal. Déjà pas mal. Hein. Et du coup, bientôt le 3 aussi. J'en ai pas parlé, mais. Et oui, c'est vrai. C'est quand ? C'est en juin ? C'est bientôt. Je vais pas ça dire va quand, être. Ça, d'habitude, ça va c'est être autour difficile. Du 10 juin, ça va être difficile encore. Là. Ouais, mais là, ça sera. Ah non, il y aura peut-être le pass. Il y aura peut-être le pass vaccin, le pass sanitaire. C'est le week-end. Non, mais sans remote. 13 juin.
Ouais, le 12 juin au mardi 15. Voilà. Ouais. Ouais, c'est en remote, ce sera l'occasion. Il y aura sûrement des Nintendo Direct, il y aura sûrement plein de trucs. Non, Nintendo Direct, ils ne seront pas. Ils l'ont déjà dit, Nintendo. Ils... Ah, c'est sûr ? Ouais, ils feront dans leur coin. Voilà. Ah. De toute façon, Nintendo, les gros trucs à annoncer, c'est les jeux Pokémon hein, en ce moment. Bah... Ouais, mais quand les jeux Pokémon ont déjà été annoncés, donc bon. Ouais, mais des teasers. Oui, mais. Bah, en parlant de ça, oui, bah, on en a pas parlé. Hein. On a eu la date des deux jeux Pokémon qui vont sortir. On a. Attends. Il y a Diamant, Tesselant, Perle, Scintillant, c'est ça ? Celui-là, je sais pas si je les prendrais, hein. Non, les graphismes sont dégueulasses. Parce que je suis un pigeon, hein, je le dis clairement. C'est vraiment le jeu. On dirait un Animal Crossing, hein, ça dégoûte. Hein. Non, en 15 fois plus moche, quand même. Hein. Alors, genre, du vraiment, coup, c'est le 19 novembre. Le Diamant Tincelant et. Ouais. Et Pokémon Légende Arceus, du coup, c'est en le 28 janvier, je crois, c'est comme ça. Et 2022. Il y a eu des mini-leaks, comme quoi il y aurait possiblement un nouveau jeu avec une nouvelle génération en 2022, du coup. Oui, bah ça c'est logique, de toute façon ça c'est... En novembre 2022 du coup. Parce qu'ils font souvent sortie du jeu en novembre, puis un autre jeu entre deux dans l'année, puis une grosse sortie... Le remake, si, n'oublie pas. Oui, c'est, bah, c'est ça, le remake un an sur deux maintenant. Ouais, le remake ils font souvent. Donc voilà, on verra pour la 9G du coup l'année prochaine, sûrement. Et il y a Zelda aussi. Parce qu'ils peuvent nous montrer. Ouais, on verra bien. J'espère qu'il y aura le retour du Pokédex national. Bah il y est déjà. Il est vraiment pas, il manque plein de Pokémon en 8G. Il y est, c'est pas grave, c'est quand, t'inquiète. Il manque plein de Pokémon en 8G. Avec les DLC, il y est, t'inquiète. Mais y a pas tous les Pokémon dans les DLC. Si, si. Mais non. Si, si. Putain, j'aurais dû m'acheter des DLC. C'est pas grave, allez. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté, du coup. T'écoutes toujours, c'est normal. Ah, pas moi. Baston, il reste quoi? Tu as rien fait encore une fois, voilà, on félicite. Et moi aussi, j'ai fait. Ah, t'as fait? Bah, ça va être en direct, mais oui. Ah bah, vas-y. C'est quoi, vas-y? Voilà, ça m'avait manqué. Tu fais sur fond vert? Ouais, bah, il y aura juste le fond classique, mais de toute façon, voilà, j'ai envoyé à Coca, il va se démerder. Ah, Coca. Mesure, bah, gauche. Alors, attends. J'espère mon site, il passe dans le fond vert. Très grosse action de Werner. Ah oui, et bon. C'est Werner. Ah non, mon skin, il passe pas. Werner, c'est déjà une catastrophe. Enfin, Werner, après 13 minutes, il a déjà raté des trucs, c'est violent. Mais normalement, c'est il aurait dû avoir mes yeux. Oh, bien. Ah, mais non, mais il a c'est pas mis sur le fond vert en fait. Ok, c'est quand tu veux, tu me dis. De toute façon, on va regarder le match pour voir City gagner, c'est triste. C'est dire. On voit pas ton skin. Bon, on voit juste l'image en fait qui devrait être sur le fond vert. Ils vont s'en sortir, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, ils ont des supporters dans le stade. Violent. T'inquiète pas, on a tout notre temps. Enfin, ça, c'est beau ça. Non, il y en a qui attendent pour la LDC. Bah, j'attends pour aller manger aussi, c'est sympa. Attendez, excusez-moi. Tu regardes en même temps, c'est très bien la LDC hein, de regarder en même temps. Arrête toi, dégage. Je crois qu'il faut qu'on meuble du coup. Oui, faut meubler, bah surtout joue. Alors, dites-moi tout, Ikea, Linéa, j'ai tout chez moi. Hein mais il faut qu'on meuble. C'est la Timo meilleure vanne de l'histoire. Timo Werner qui fait gagner la LDC à merci. Pourquoi tu juges nos skins comme ça, Andy? Mais parce que vous êtes terrible. Faut te faire ça, ma déco. Ah, yes. C'est bon, Nigo. Allez, toi, tu dégages. Bonjour à tous. C'est bon, merci. Nickel. Fort bien. Ok. Allez. Eh bien. Hein si, il marche. Pour moi, ça va fort bien. Bon. Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT du 20h30. Nous sommes le 29 mai et voici l'actualité de cette semaine.
on commence par une actualité d'apparence légère, mais pas forcément insignifiante. Dimanche dernier, les youtubeurs McFly et Carlito ont sorti une vidéo de concours d'anecdotes avec le président Emmanuel Macron. Attention, spoiler, des gages ont été donnés. Les voici. Le premier sujet de McFly et Carlito qui devront, lors du 14 juillet, aller dans un avion de patrouille de France. Et l'autre est qu'Emmanuel Macron devra, lors d'une interview de 14 juillet, avoir le portrait de McFly et Carlito. Certains ont trouvé la vidéo drôle et que le président aussi s'était bien exprimé et aussi s'était prêté au jeu. Mais d'autres craignent l'impact politique que cela pourrait avoir pour les élections présidentielles de 2022. Par peur que certains soient influencés par ce coup marketing du président, même si les youtubeurs ont bien insisté sur le fait qu'il fallait réfléchir et que c'était bien réfléchi de la part du président. Autre information, la vaccination a été ouverte à toutes les professions prioritaires, comme les policiers, les professeurs, les chauffeurs de taxi ou encore les caissiers, sans limite d'âge. Ces professions représentent 7 millions de nouvelles personnes qui pourront se faire vacciner. Aussi, tous les plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 31 mai, soit lundi. A ce stade, 24 millions de Français, soit 46% de la population adulte, ont reçu au moins une première dose du vaccin. On continue à faire scandaleuses théories du complot ou tentatives de désinformation. Quoi qu'il en soit, plusieurs créateurs de contenu ont déclaré avoir été contactés par une agence pour critiquer le vaccin Pfizer en échange de rémunération. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a qualifié cette manœuvre de « minable et dangereuse ». Encore des personnes sans scrupules. L'Académie de médecine a recommandé de rendre progressivement obligatoire la vaccination contre le Covid pour certaines professions, dont les enseignants ou les soignants. L'objectif, selon elle, avoir au moins 70% des personnes vaccinées pour mettre fin à l'épidémie. La théorie du virus échappé d'un laboratoire considéré jusqu'ici comme complotiste commence à devenir plausible selon le Wall Street Journal. Trois chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan auraient été atteints en novembre 2019 de symptômes compatibles avec ceux du Covid. Après des années de baisse, le nombre de fumeurs en France a augmenté cette année, notamment chez les Français les plus précaires, selon Santé Publique France. L'Institut estime que cette évolution peut s'expliquer par le contexte social difficile qui a incité certains Français à fumer pour gérer leur stress. J'espère pour eux qu'ils s'en sortiront, car il y a d'autres manières. Info dramatique, une policière municipale a été blessée au couteau par un homme hier soir près de Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre. Le suspect qui avait pris la fuite est mort après avoir été blessé lors de son interpellation. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il était schizophrène et s'était radicalisé en prison. Beaucoup de politiques se demandent comment un homme condamné pour de multiples faits de violence, notamment plus de 75, avait pu être libéré. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré que ce dernier avait purgé sa peine de 8 ans de prison, sans réduction de peine, donc il n'avait aucune raison d'être encore en prison. Info qui peut paraître étonnante en 2021, mais en France, aujourd'hui, et oui, une personne sur 5 a déjà eu des difficultés pour se procurer des protections périodiques, selon une étude de l'association Règles élémentaires, on salue le mot. De son côté, le gouvernement a déjà annoncé l'installation de 1500 distributeurs de protections gratuites dans les universités et les CROUS à la rentrée. Information supplémentaire, car sortie il y a quelques semaines, mais que la rédaction tenait à redire, pour les gens âgés qui ont eu 18 ans cette année, ils ont la possibilité d'avoir 300 euros grâce au Pass Culture, donc sous forme d'application, pendant 24 mois. Sur ces 300 euros, 100 euros sont utilisables sur Internet, comme pour acheter des abonnements sur des plateformes de vidéos à la demande, ou encore sur des plateformes de streaming de musique, ou pour s'acheter des jeux vidéo en ligne. Sinon, en parlant de pass, le Parlement a définitivement adopté l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder au rassemblement de plus de 1000 personnes cet été. Pour l'obtenir, trois options: avoir un certificat de vaccination, le résultat d'un test PCR négatif ou un document qui prouve qu'on a eu le Covid-19 récemment. Cela nous amène donc à notre débat du jour, et oui, le voici. Le pass sanitaire pour accéder au grand rassemblement est-il une bonne ou une mauvaise initiative? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci notre source principale, le compte Instagram du Codécrit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Merci du coup Loulou.
On a récupéré quelqu'un au passage, là, il était dans la rue. J'ai mis la vache. Attends, c'est ma place, va l'écouter. C'est la place de Xécante, là. Viens, viens, viens. Je veux t'appeler Pierre. Ah, c'est pas ça qu'il faut dire, Lulu. Ah mince, salut, ça va? Donc, du coup, bah, donc, le débat, le pass sanitaire pour accéder au grand rassemblement est-il une bonne ou une mauvaise initiative? Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une bonne parce que je suis vacciné. Alors. Ouais, moi aussi. Attendez, je reviens, on m'appelle. Donc, grand rassemblement, c'est quoi qui est compris? Grand rassemblement, bah, plus de 1000, tout, je pense que c'est 5000 personnes. Quand ça dépasse 1000 personnes, c'est. Est-ce qu'un parc d'attractions, c'est grand rassemblement? Oui, bah, oui, 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 frère. Bien sûr. Ils sont plus de 1000, hein. Pour aller à Disney, tu seras obligé d'avoir un pass sanitaire. De toute façon, je ne vais pas aller à Disney, j'ai une race. Après, les parcs ont déjà rouvert, donc pour le coup. Donc en gros, il y a c'est tout ce qui est au-delà de 1000 personnes. Il n'y a pas les attractions, donc c'est un peu. Donc, par exemple, il y a les chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacle sportif culturel, les foires d'exposition, les stades, les parcs à thème, les casinos, festivals, compétitions sportives, croisières, bateaux, et voilà, bref, beaucoup de choses. Et de toute façon, les croisières, tu fais un test PCR avant d'aller dessus, donc en vrai. Après, bon, ils pourront pas le mettre pour des choses comme par exemple le 14 juillet, le feu d'artifice, ils pourront pas le demander à tout le monde, forcément. Mais de toute façon, tout le monde sera vacciné. Mais après, Loulou, quoi qu'il arrive, même avant, il y avait des rassemblements, même s'ils mettent pas le pass sanitaire, il y en aura. Donc, de toute façon, ils pourront pas l'éviter. Non, mais genre dans les stades de foot, etc. Oui, bah ça, oui. Voilà. Autre débat aussi, parce que t'as parlé d'un truc. Est-ce que vous pensez vraiment que la vidéo de McFly et Carlito aura un impact politique ou pas? Oh, si les gens. Tu sais quoi, honnêtement. Même dedans, McFly a précisé qu'il n'avait pas voté pour moi. Honnêtement, s'il y a des gens qui sont influencés, c'est qu'ils sont trop cons pour voter. Autant qu'ils votent n'importe quoi, et puis voilà, on s'en sort. Bon, frère. Ceux qui peuvent être influencés, c'est les jeunes, ils n'ont pas le droit de vote en fait. Mais oui, c'est ça le truc. 2022, c'est l'année prochaine, donc les gens, ils sont au pire 17 ans, tu vois. Mais de toute façon, j'ai trouvé ça totalement pathétique cette vidéo. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dirais. Ça dit les termes. Moi, à part la première anecdote, le reste ça allait. Mais la première, vraiment. Oh non, là, celle-là. Celle-là. J'ai cru que ça allait être la vidéo toute comme ça, hein, vraiment. C'est quand il appelle Mbappé. Oui. Vraiment, quand il a commencé à sortir ça, je me suis dit, s'il sort ça toute la vidéo, Du coup, j'ai regardé un truc de Popcorn. Parce que de Clément Viktorovitch, tu l'as regardé toi aussi, celui-là. Ouais. Et en clair, il parlait de ça et il disait que la vidéo, est-ce que l'année prochaine, elle aura encore de l'impact? Est-ce que des gens y penseront encore au moment du vote? Bien sûr que non. Tu vois, j'y penserai, j'ai pas aimé les anecdotes, donc je voterai pas Macron. Le Pen. non, mais il prenait l'exemple du début du Covid, avec le fameux masque où on nous avait menti, ou autrement, où on nous avait dit que fallait pas prendre le masque, etc. Plein de choses comme ça où la gestion était catastrophique et que beaucoup de gens, en fait, ont oublié totalement. Tout ce qui s'est passé, et donc ça sera la même chose pour la vidéo. Voilà. Par contre, en revanche, ça a pu renforcer son image un peu sympathique auprès des jeunes. Voilà. Ça, on n'en doutait même pas. Et de toute manière, les gens qui comptaient voter pour lui, donc c'est-à-dire les gens de droite majoritairement, vont voter pour lui aux prochaines élections. Hein. Ça changera rien. Donc, En fait, il essaye de conquérir un public jeune. Parce un que public qui n'est pas jeune, mais le problème, c'est qu'il est en train de conquérir un public trop jeune. Mais imaginons, il a 5% du public au-dessus de 18 ans. C'est 5% en plus, tu vois. C'est quand même, comme il a dit l'autre aussi. Mais ils vont pas voter pour ça, tu vois. Genre. Non, Mais moi, je te dis, s'ils votent pour ça, honnêtement, c'est leur problème. J'ai vraiment peur. Hein, parce que quand je vois les personnes parler, des fois, j'ai peur. De toute manière, aujourd'hui, le truc, c'est les abstentionnistes. Si les abstentionnistes votaient, ça changerait l'entièreté de l'élection et les abstentionnistes vont pas voter pour Macron. C'est pas le type de personne, le type d'électorat pour Macron. Donc voilà, rien n'est joué et c'est pour ça aussi que je rebondis un peu là-dessus. Sur tout ce qui est les sondages Macron-Le Pen au second tour, c'est un véritable scandale qu'il y a dessus. Et même, je crois, Clément Viktorovitch qui en reparlait et même Hugo Décrypte, c'est en gros, on a des biais cognitifs qui sont le biais de conformité. En gros, à force de nous dire que ça va arriver. Et les gens vont faire en sorte que ça arrive parce qu'ils vont voter soit par exemple pour Macron pour faire barrage à Le Pen dans le sens que les autres candidats, c'est les petits candidats, ça sert à rien de voter pour eux, tu vois. Mais de toute façon, les autres candidats seront vraiment dévoilés que au moment des élections. Enfin, pas au moment, mais un peu avant. Personne n'en avait entendu parler quand il a été élu. Il y en a très peu. On a appris un mois avant les élections quoi qu'il était là.
Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. De toute façon, ça c'est. De toute façon, en candidat confirmé, il y a qui ? Il y a il y a le PN, Mélenchon, Macron. Il n'est pas officiellement confirmé. Oui, mais il va, je crois qu'il y a un candidat communiste. Et on aura le temps d'en reparler. Bah, il y aura vraiment un candidat communiste là. Ouais, ouais, non, mais c'est une honte hein, qu'ils fassent ça hein, parce qu'ils vont se faire liguer. On aura le temps d'en reparler. Après, un candidat communiste. Mais en vrai, ouais, même une émission, enfin, pas politique non plus, mais une émission pour parler de ça, ça me. En 2022, bien sûr. Ce sera l'occasion de ressortir la vidéo du débat de 2017. On fait le Didi débat. On va y penser. Ouais. Avec Nia dedans qui faisait Marine Le Pen, c'était magique. j'ai pas la Oh, je vais faire Mélenchon, je vais faire Mélenchon. Quelque chose. Je la ressentirai, ce sera rigolo. Bref, on en reparlera l'année prochaine en temps voulu, mais ouais, c'est. Coca voulait intervenir, là. Ouais, petit point Minecraft Championships. Sans transition. Les jaunes sont en premier avec 1452 points, les deuxièmes sont les oranges avec 1450 points, et les troisièmes sont les aqua avec 1192 points. Voilà, merci à tous. Il y a des Français ? Waouh! Bah non, c'est américain. Ah, et point Ligue des Champions, toujours 0-0. Voilà. Et Warner est vraiment une fraude. Mais Phil Foden vient de louper l'action de l'année. Ah oui, je viens de voir ça, Là, voilà, je viens juste de l'avoir. L'action de l'année, carrément. Quoi. Sachant que c'est la finale de Ligue des Champions, oui, c'est de l'année. Oui, bah oui, non, mais bon. T'as pas le droit de louper ça. Est-ce que ce sera le match de l'année? Ouais, non, en vrai, pour l'instant, c'est bien. Va remporter l'Euro. Non, ah, okay, ouais, c'est pas en starf. Vu qu'on n'a pas de chronique sport, venez, on parle un peu de l'Euro. On va parler de l'Euro. Allez. T'as une chronique sport, Lulu? Non, t'as un truc. Non, j'ai pas de chronique sport, y'a rien d'autre de spécial à dire. Donc, à part qu'on s'est fait chier devant la Ligue Europa ce mois-ci, enfin cette semaine. Cette semaine, on s'est fait chier devant la Ligue Europa. Par contre, parlons de la Ligue des Champions. Pour l'instant, la finale, elle est intéressante de fou. Intéressante, ouais, mais j'ai peur que ça finisse en prolongation. Quoi. Bah, il y a moyen, parce que bon, avec les bons Werner là. Bah, mais après, un match de foot, ça va vite. Une contre-attaque, c'est terminé. Ouais, de toute façon, il y aura le Didi Sport Euro. Mais l'Euro, c'est bientôt. Et puis, match la semaine prochaine aussi. Ouais, les premiers matchs de la. Oui, j'ai vu, c'est mercredi sur TF1 France Pays Galles. C'était mardi, je crois que c'était mardi. Non, je crois que c'est mercredi. Non, mais après, pour l'instant, c'est mercredi. Pour moi, c'est samedi. Il n'y a, hein, a pas tout le monde qui a rejoint le château. Il manque mais que Bakos, non, mais normal. Et non, il en manque pas tout. Tant que ça. Hein. Et c'est tout. Oui, non, c'est Il y avait Pogba, mais Pogba est arrivé là. Pogba est arrivé, ouais. Oui, non, mais il vient d'arriver parce qu'il y avait la finale de l'Europa League, mais sinon. Il manque Kanté et Giroud, on sera au complet. Voilà. Et il y a tout le monde. Il manque Kanté, oh là. Il manque nos deux meilleurs joueurs en fait. Non, mais déjà, on pourra voir à peu près sur une petite idée. De... Mais est-ce que vous imaginez les catastrophes que ça va faire si on gagne hein? Parce qu'il y a encore le Covid, il faut en parler. C'est bon, frère. Mais surtout quand ils ont commencé. Enfin, vraiment, il y aura peut-être des fanzones. Non, mais il y en aura. Ça va être un bordel sans nom, mais qu'on perde ou qu'on gagne, il y aurait eu plein de rassemblements. C'est juste si on gagne, oui, sur les champs, bon, voilà, mais c'est la vie. Moi je trouve que ce sera beau. Enfin, on est encore loin de la victoire. De toute façon, quoi que tu fasses. tu pourras pas empêcher des milliers de personnes de sortir chez eux sur les champs et tout. Genre, c'est bon. Ça, c'est sûr. Parce que c'est bon. Surtout c'est... dans des moments comme ça. C'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde qu'on va tout gagner. Hein. Là, faut pas non plus. Bah, on est parmi les favoris largement. Donc, oui, on peut que espérer, mais voilà. Mais attends. Logique qu'on soit parmi les favoris. Bah, bien sûr. Mais on a la meilleure attaque là actuellement. Non, mais oui, on a une équipe de fou. Après, on est quand même dans un groupe pas donné. Bah, le groupe est clairement le pire de la compétition. Bah, en fait, le truc, c'est que le Portugal a une vraie équipe, mais en vrai, l'Allemagne, pour moi, finit 3e. Bah, l'Allemagne, c'est. Ils ont peine à se. À trouver des jeunes, quoi. En fait, c'est compliqué, ouais. Mais par contre, le Portugal va être très, 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 très dur. Vraiment, c'est. Starf. On verra. De toute façon, on en reparlera la semaine prochaine. Vu qu'il y aura le premier match amical qui sera passé. Ça. Non c'est ça, les premiers matchs. Le premier match amical sera parti. Il y en a combien? Deux cette fois. Parce que normalement, c'est trois. Il y en a deux. Il y a Pays de Galles et on joue contre la Biélorussie. Donc, c'est même. Non. La Biélorussie, ouais, je connais. Ouais. C'est pas Bulgarie? Non. Ah, c'est pas Bulgarie alors en fait. Ah oui, peut-être, je sais pas. C'est la Bulgarie. Okay. Le Pays de Galles ce mercredi et Bulgarie mardi prochain. Bulgarie semaine prochaine. Peut-être, et ensuite Allemagne.
Et ensuite, on commencera par l'Allemagne le 15 juin. Voilà. Juste comme ça, est-ce qu'il y aura des matchs de foot cet été? Bah oui. Non mais laissez-le dans son troll. T'inquiète, mec. Bah oui, il y en aura, du coup. T'inquiète, il y a, il y a l'Euro, quoi. Il y a l'Euro, il y a la Copa América aussi. Non, mais la Copa América, tout le monde s'en bat. Et le reste, je sais pas. Bah, ça reste des matchs de foot. Il y a les JO, il y a les matchs de foot aussi en plus. Mais il y a l'Euro Espoir. Voilà, t'as plein de trucs. Hein. Voilà. Je suis en train de regarder, mais il y a quand même pas mal de matchs qui sont pris par M6 et TF1. En parlant d'Euro Espoir. Bah, l'Euro, ouais, mais l'Euro et la Coupe du Monde, toujours, c'est ça. Hein. Pourquoi on dit M6 et TF1? Pourquoi juste pas dire TF1 maintenant? Oui, bah oui, c'est officiel là, ça fait. Mais c'est pas ça, mais c'est qu'au niveau des jeux. Mais tu sais quoi? On peut faire une transition. J'ai regardé la vidéo de, comment il s'appelle, de Ludovic. Ludovic, oui, mais oui, tout à fait. Et j'ai entendu un truc intéressant, c'est que M6 sera racheté que fin, enfin, sera techniquement à TF1 que fin 2022. Oui, début 2023. Ah oui, faut que c'est loin d'être fait. Et même, faut que ça soit validé aussi par le CSA et tout. Non, c'est pas simple. Hein. Ouais, faut que ce soit validé. Donc, ça prendra au moins 2 ans. Et si jamais il y a le président qui change entre temps, ça peut capoter. Donc, rien n'est fait. Tout à fait. Bah allez, par contre, président échange, ça peut capoter. Ouais, belle transition, merci. Belle transition, voilà. Merci Loulou de nous l'avoir fait. Belle transition, merci. De nous l'avoir fait, merci Loulou. Bah du coup, je reviens pas là-dessus, mais ça faisait partie des news. 13 millions de vues pour la vidéo de McClay et Carlito. Ah oui. Qui ont fait la vidéo la plus vue de la semaine, juste derrière, juste devant Inox Tag avec 10 millions de vues. Mais c'est quoi Inox Tag? Il a fait quoi Inox? Je crois qu'il tourne juste bien Inox. Live 40 super spécial 4 millions. Ah oui, ok, c'est bon. Pardon, et ça fait 10 millions de vues? Bah, live 24h, oui. Ouais, mais genre, non, parce que c'est. Non, c'est. Oui, mais c'est parce que. Ah, mais attends, mais c'est le live ou. Genre, c'est le live ou la rediff? C'est le live. Ok, le live, c'est d'accord. Le live plus la rediff. Parce que la rediff, j'aime bien, wesh. Ouais, tout peut s'expliquer. Parce que si c'était que la rediff, what the fuck? Non. Au moins, ça permet d'évacuer ce sujet-là. Revenons rapidement sur l'Eurovision, vous le savez, c'était la semaine dernière, on a fini deuxième, je n'y croyais pas une seconde, et pourtant, on a quand même fini deuxième, juste derrière les Italiens. Ceux qui ont regardé l'Eurovision, la musique de la France, c'est pas ouf. J'y croyais pas une seconde. C'est pas la meilleure. Ouais, hein, en fait, on dirait Edith Piaf, quoi, de ce que j'ai écouté. Donc, c'est tout ce que veulent les autres pays, une musique. C'est le cliché français, genre. Oui, c'est ça le souci. Tu parles de musique française, hop. Tu vas me dire que c'est un cliché italien qui a gagné? Bah, pas forcément, mais. Je suis toujours pas genre nous, comme ouais, quoi, tu vois, faudrait qu'on prenne que des trucs bien clichés français. À Bombayré, et on est parti. Ouais, avec une petite baillette là. Allez, c'est parti. C'est donc les Italiens qui ont gagné avec leur chanson rock. Il y a eu des soupçons, évidemment, de drogue, hein, vous en avez entendu parler. Oui. Finalement, il a fait des tests. 24 heures, 48 heures plus tard, il n'y avait rien eu, mais entre-temps, peut-être que les tests sont pas ouf non plus. Pour préciser, c'est 24 heures, 48 heures, il était retourné en Italie, donc il a fait ses tests là-bas. Oui, voilà. En plus, il faisait ses tests chez lui, donc voilà. De toute façon, la France ne comptait pas porter réclamation, puisque voilà, on était content d'être deuxième. Ça nous permet de ne pas l'organiser, déjà. Ouais, tant mieux. Pas mal. Et puis, là, ça s'est terminé là-dessus. J'ai oublié, je voulais dire un truc en plus sur l'Italie, mais... Alors, est-ce que vous contestez cette victoire ou pas, du coup? Non, moi je la laisse à l'Italie avec grand plaisir. Oh, ils ont chanté, hein. Après, s'il veut se droguer de fou, bah vas-y, hein, kiffe ta vie. Après, hein. C'est les gens qui ont voté, et voilà. C'est ça, voilà. Ouais, c'est les gens qui ont voté. Donc, c'est le public qui les a sauvés. En plus, ça dit qu'il s'est drogué, on le voit pas vraiment, enfin, c'est cacheté par plein de choses. C'est pas des images waouh, ça a pas choqué les gens, c'est bon. C'est la caméra qui passait au mauvais moment. Et puis c'est aussi parce qu'ils avaient ce profil-là que forcément on a attribué ça à eux. En fait, le souci pour moi, c'est pas ce qu'ils sont tranqués en caméra, c'est comment la drogue est rentrée juste ici. Ils ont 800 bouteilles d'alcool, frère, donc... Tout le monde était fin bourré, hein. Mais c'est pas frère, si y a autant d'alcool, honnêtement, je pense que la drogue, c'est pas difficile. C'est pas comment il faut pour chanter tout en entorché à la fin, quoi. Ouais, bah notamment le chanteur anglais qui a été totalement torché, qui a fini avec 0 point, évidemment. Dieu, lui aussi. Ouais, mais il était content. C'était absolument magique. Il était content, il avait sa bière à la main, il était fier. Bon, pourquoi pas. Moi, je le comprends, j'aurais fait la même. Franchement, au moins, il marque le corps. Petite bière à la main, tu chantes et tout, petite claquette chaussée, ça.
Ouais, il a chanté devant des millions de personnes, alors. Oui, ouais. Après, ça, c'est... Ça lui donc, fait une pub, je sais pas si bonne ou pas, mais... Donc, notre chanteuse Barbara Pravi a été choisie par le public, du coup. C'était au mois de janvier, je crois. Et du coup, ça a été confirmé. Ce sera à nouveau le cas l'année prochaine, en 2022. De quoi pour choisir notre représentant. Ah oui. Okay. Pour une fois que le public fait un bon choix. Exactement. Bref, on va parler du Bilal l'année dernière. Coucou Bilal. Coucou par rapport à Bilal de 2 ans plus tôt, effectivement, il y a une grosse différence. L'année dernière, on n'avait pas choisi l'année dernière. Non. Il y aurait eu, on aurait fait un flop. Bon. On aurait été 25-26e. Voilà. Allez, j'enchaîne vite parce qu'on a, on a un gros sujet enfin. Friends, l'épisode Réunion est sorti, ça y est, sur Salto. Et sera diffusé bientôt sur TF1. Ça, c'est l'info aussi. Ah ouais, ok. Parce que bon, voilà quoi. Ils vont le diffuser. Ça dure 1h40, je crois. Donc ça fait, voilà, ça fait un joli prime. Ah ouais. Mais c'est quoi? C'est censé être un épisode, frérot, là. En fait, c'est un épisode, mais je pense que c'est une réunion. C'est une anecdotes, interviews et tout. C'est vraiment une réunion. C'est même pas un épisode de fiction. C'est genre vraiment, ils se retrouvent dans les décors, etc. Il y a des stars aussi. Ils se remémorent les souvenirs. Il y a des stars, effectivement. Ils font pas des sketchs quand même un peu, enfin des genre des parties de. Eh bah, ils relisent le script d'un des épisodes. Ouais, voilà. Ce que j'ai à te dire, c'est qu'ils ont touché plus d'1 million chacun juste pour se réunir sur ça, et c'est honteux. Une honte. Bah, pourquoi? Juste pour se réunir une seule fois, juste pour blablater. Même c'est plus bah... C'est une série qui a fonctionné après. Donc... Bah, c'est... j'ai envie de dire, c'est des stars, c'est une série qui a bien fonctionné. Et c'est... Enfin, eux, c'est tu leur proposes 1 million, tu leur proposes. Ouais, c'est... Oui. Je pense que 1 million, ils vont les rentabiliser assez vite. Hein. C'est à ce prix-là qu'ils étaient payés quand ils ont fait les derniers épisodes en 2014. Mais déjà, je sais pas comment Salto a payé pour la diffusion, mais. Il a dû avoir un bon prix. C'est une bonne question. Il doit y avoir un arrangement après. Il y a moyen que ce soit un arrangement aussi. Ouais. Ils ont le catalogue HBO, donc pour TF1, ils diffusent les films qui leur appartiennent, etc. Donc, il y a dû avoir un arrangement de ce côté-là. Voilà, voilà, donc c'est sorti, ce sera bientôt sur TF1 également. Redoublé par les doubleurs originels. C'est important. Ensuite, rapidement. Camille Combal qui a décroché une nouvelle émission sur TF1 qui va s'appeler Camille et Images. Toujours oh, plus. Putain. Il va faire ce qu'il sait faire tout simplement, c'est un espèce de bêtisier, il y aura des images de jeux, de télé, de plein de trucs. Il y aura des invités. Voilà, c'est un truc qu'on a vu 1000 fois, mais c'est lui qui le fera. Tant mieux, j'aime bien les bêtisiers. C'est et où la famille en or d'ailleurs. Exactement, on n'a toujours pas de nouvelles, et toujours pas prévu dans les 3 prochaines semaines. Donc, ça a quand même été tourné en septembre, ouais, donc là il y a un petit problème quand même. Apparemment, il l'avait tourné dans l'espoir que le feuilleton Ici tout commence ne marche pas. Sauf que c'est un succès. Donc, ils ne savent plus quoi en foutre. Voilà, voilà Thiago, pour Camille. Thiago Silva sort sans blessure. Autrement, pour Camille Combal, la famille en or, ça en est où? Bah, c'est ce qu'on vient de dire, Lou. C'est bien. Bah, bah non, tu as dit. Ah, ok, d'accord. On vient d'en parler, hein. C'est vraiment ce que Lulu vient de dire il y a 10 secondes. Tu t'en fous, c'est parfait. Toujours dans le rayon des nouveautés sur TF1, encore un truc qu'on a vu 1000 fois, le grand quiz. Ce sera cet été sur la Une par une nouvelle présentatrice qui s'appelle Hélène Manarino. C'est des quiz, quoi. Voilà, il n'y a pas d'originalité. Hein, c'est cool. Elle a déjà fait des trucs, Hélène Manarino. Elle a fait des trucs sur TMC, notamment. Ouais, bon. Donc, un quiz coup de Code de la Route et un quiz spécial télé. C'est ce qui est prévu. Code de la Route. Sans tournage prochain. Avec la sécurité routière, je suppose. Sûrement. Probablement. Kameto Games, quoi, le truc. C'est un peu ça. Bah, pareil, c'est des trucs qui ont été faits 1000 fois à la télé. Ah, tu viens de me faire penser à un truc, bye. Oh, j'ai le seum. Tiens. Oh, il a le seum. Il y avait une conférence de presse. Oh non. Pour Adam ? Ouais. Bah non, d'accord, mais putain, je l'ai raté, fais chier. D'accord, bah merci. Pip. Je vais voir les tweets. On reste dans le rayon des jeux télé avec Apprendre ou à laisser qui revient sur C8 après 2 mois d'interruption. Et ce sera présenté par Christophe Dechavanne et plus Cyril Hanouna. Ah, il y présente quand même ? Non. Ils sont à deux. Enfin, ils sont... Non, ce ne sont pas à deux. Ils le remplacent. Voilà. Ah, oui. Ce sera à partir du 14 juin. Ce sera seulement pour 10 émissions. Ouais, pour la saison, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Chavanne, le retour ? Bah, de Chavanne, ouais. Bah, animateur de votre enfance. Animateur de quoi ? De votre enfance, hein. C'était la famille en or, c'était la roue de la fortune. Ouais, surtout la roue de la fortune. Ah, c'est lui ! Ouais, la roue mais de oui, la c'est fortune. Lui. Avec le chien, que c'était lui aussi. Enfin, il est mort. Je sais qui c'est. Ouais, le chien est mort depuis, mais. Ah bon ? Ah merde ! Bah, frère, ça date, hein. Bon.
Moi, c'est pas plutôt c'est l'animateur. J'aimais bien le petit chien, moi. Et de Javan, il est devenu alcoolique maintenant. Mais ça, c'est. Ouais, si tu veux. Bah, un peu, il est pas tout. Enfin, il est pas tout. Moi, tu vois qu'il a changé. Il est vieux, quoi. Bah, c'est comme Reichmann, c'est pas parce qu'il a le nez rouge qu'il est alcoolique. Hein. Bah, il est plus très net, j'ai l'impression. C'est possible. Moi, c'est pas plus l'animateur qui me dérange, c'est vraiment la durée. Ouais, ça durera toujours une heure et demie. Pourquoi il y a Nuna dedans par contre? Ça va durer toujours une heure et demie. C'était lui qui le faisait, mais il se fait remplacer par d'autres. Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est lui qui le faisait. Je pense que ça va être très différent. Le présentateur doit laisser, c'est combien de sièges là? Ouais, bah, il y a eu Arthur au début, il y a eu Courbet il y a quelques années sur D8 déjà. Et puis là, Nuna, et puis maintenant de Chavan. Et puis Laser, bien sûr, sur la 10 épreuve. De Chavan, moi j'ai encore l'image, je suis une célébrité, sortez-moi de là, il m'avait pas du tout convaincu sur l'animation, pour moi il est mort comme animateur, ça sert à rien. Il y a 2 ans en fait. But de Chelsea. Oh mais spoil pas. C'est vraiment une merde. La roue de la fortune. Putain, pas possible ça aussi. Loulou, t'es en train de me dire quand t'es des petits, tu regardais pas la roue de la fortune à table. La roue de la fortune, avant c'était le cas, avant il était bien, mais maintenant c'est plus le cas, il est passé. J'ai mis le son sur mon ordi. Moi ça sera moins bien qu'avec Cyril. Ah bonjour. Je suis pas en pro Nina pour ça. On verra bien. Max, il a envie, je savais pas. Bah, c'est bien aller chez le si. Prax, il est discret, mais au moins il dit des trucs intéressants comparé à toi. Bah, moi aussi, j'ai des trucs intéressants. Voilà pour la petite news télé. Et comme convenu, on fait un gros point sur Fort Boyard. Les tournages se sont terminés. Aujourd'hui, c'était l'11e et dernier tournage. 11 émissions ont été faites. J'ai mis plein d'assets, plein de photos pour notre ami Coca en régie. Est-ce que t'es capable de le suivre? Vas-y, on voit la une. Un nouveau personnage, c'est Jean-Marc Généreux. Oh là là. Qui va incarner un trappeur canadien qui s'appelle Garibou. C'est une catastrophe. Bonjour, je suis Garibou. Je l'aime tellement pas, Jean-Marc Généreux, vraiment. Fallait bien le caser quelque part, il a loupé spectaculaire, donc maintenant il se retrouve à Fort Boyard, quoi. Exactement. Est-ce que t'as la photo 9 sous la main? Donc, de son épreuve. Oui, non, mais y a pas de souci. Son épreuve, ça va être un parcours d'obstacles. Une fois qu'il arrive dedans, il a un défi à la con à faire, apparemment. C'est pas très clair, mais on verra bien de quoi il s'agit quand ce sera diffusé. On a un aperçu de l'intérieur. Voilà, celle-ci. Ça fait penser un peu au machin, tu sais, où il y avait des morts vivants dans. Ça fait penser au ski. Non, mais dans les vieilles émissions là. Où tu devais, c'était dans le noir, tu devais de marcher sur une poutre et t'avais des morts vivants qui essayaient de te mordre. Mais si, comment ça s'appelle? C'était pas avec une faucheuse et tout. Ah, t'inquiète. C'est vraiment vieux. Qu'est-ce qu'il dit lui? On a vraiment pas la réponse. Tu es bourré encore? Bon, si t'y arrives, nickel, t'es intervenu là. Du coup, ensuite, tous les personnages sont de retour évidemment. Vincent Lagaffe est de retour, il n'était pas là l'année dernière. Il fera à nouveau du flyboard comme il aime, et puis il fera un nouveau truc autour du surf, apparemment. Ça, c'est bien, on dit Vincent Lagaffe, il y a Ghostbook qui apparaît. Vincent Lagaffe, c'est meilleur animal, normal, présentateur c'est de l'histoire de l'humanité. Oui, voilà. C'est le meilleur. C'est la photo d'après. Donc Cyril Ferraud est toujours là aussi, celui de l'année dernière. En plus de l'épreuve de slime, il fera une deuxième épreuve qui va s'appeler Bingo's Bow, qui sera visiblement un bingo. Voilà, c'est spécial. C'est spécial, des boules numérotées qu'il faudra qu'ils prennent dans un truc qui tourne dans tous les sens. Pardon. Il se pourrait que ça remplace l'épreuve de Gagarine, tu sais, le gyroscope où tu tournais dans tous les sens. Ah ouais? Tu vas prendre l'énigme du perfoir. Bah ce serait ça, hein. Le concept y ressemble en tout cas. Donc, ça va pas tarder à être diffusé d'ailleurs du coup. Il est possible que ça y ressemble. Ce sera dans les prochaines semaines, effectivement. Ouais, parce qu'on est déjà fin mai. Le perfoura. C'est quand déjà à Fort Boyard? Enfin, l'été. L'été. Non, mais la samedi, vendredi. Le samedi soir. Au moment où on passe le vendredi, c'est le 20h30. Exactement. Le perfora ensuite retourne en vie 12 ans après avoir arrêté les énigmes. Ah là là. Il fera une épreuve qui va s'appeler le BIF, le bureau d'études des épreuves du fort. D'accord. Où il fera faire des défis à la con aux candidats, hein. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Ça, pour le coup, ça change pas. Curieux de voir ça. Beau costume aussi pour le perfora. Ouais, j'ai dû mettre la photo avec. J'ai dû la mettre en fond. C'est bien qu'il garde tendance à VG. Ouais, ça faisait longtemps. Ça ouais, faisait, c'est bien qu'il garde tendance à VG. Effectivement, longtemps. Delphine Vestider, elle est toujours là, avec ses rôles de blanche et de rouge. Magloire est toujours là avec Magic, ça commence à faire beaucoup de personnages people. Et puis, Willy Rovelli est désormais dans une prison. C'est absolument improbable.
Ça suit un peu le RP, quoi. Enfin, le RP. Ouais, il y a des grèves chaque année. Hein. Ouais, il tombe de plus en plus bas, effectivement. L'année prochaine, il sera dans l'eau. Ils ont redécoré son bar en prison désormais. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus d'eau. Yes, tu vas trouver. Parfait. Voilà, cette prison. C'est... Le décor est spécial. Pareil, on a cette photo-là qui va avec, que Passemurai est sorti, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça fait un peu des décors escape game, je trouve. C'est un peu ça. C'est un peu ça que je veux voir. Bon, à mon avis, il va encore faire bouffer des trucs aux gens, hein, c'est logique. Mais de quelle façon, à quel moment dans l'émission? Peut-être pour libérer des prisonniers. Pourquoi pas? On verra de quoi il s'agit. Bon, passons ensuite aux nouvelles épreuves. Il y a une nouvelle épreuve qui s'appelle Le Monde à l'envers. Rien à voir avec les youtubeurs pas drôles. Ouf, oh la balle perdue. Ah, d'un côté, il a pas tort. Hein. Enfin, avant, ils étaient drôles. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec lui, mais balle perdue quand même. Oh la balle perdue. On peut y aller là-dessus. Alors, on voit un aperçu de la porte derrière Michel Saron. Là, juste ouais, là. Les photos, ça va pas du tout. C'est dans tous les sens. J'en ai mis beaucoup trop et c'est dans le désordre. On a un aperçu juste derrière Michel Saron, le chef cuisinier de la porte, à droite. Et puis à l'intérieur, il y a eu un petit aperçu aussi, une photo de Passemurai. Voilà. Il paraît, ah, alors, c'est une maison à l'envers. Apparemment, c'est ça le concept. Et il faut transporter des œufs d'un point A à un point B. C'est très bizarre. Décor penché, quoi. Un peu. Il y a un peu de ça dans l'idée. Mettre la mi-temps. Oula. Mais si, mais ça c'était avec monsieur. C'est à l'époque de Chan, c'était pas la même épreuve. Ouais, c'est du cirque. Hein. Oh, bah, on verra bien. De toute façon, pour l'instant c'est un peu tôt pour spéculer. Une nouvelle aventure qui va se passer dans le vide, le téléphérisque. Ça s'appelle comme ça. Ça donne envie. Deux cabines de téléski qui descendent et il va falloir apparemment faire des acrobaties entre les deux. On sait pas trop de quoi il s'agit, mais. Peut-être aller de l'une à l'autre. Et donc, elle se placerait où à peu près cette épreuve? Genre, ce serait. Derrière la vigie. Ok. Non, il y a la station de métro que tu as pu voir dans les assets. Tu peux revenir en arrière, nickel. Une nouvelle épreuve qui se passe en citerne. Une station de métro inondée, voilà. Fin du concept. On ne sait pas trop pareil de quoi il va s'agir exactement. Mais en tout cas, la porte ressemble à ça, c'est plutôt joli. Emmerich? Non. J'ai pas la ref. Non, t'inquiète. Ensuite, on a une cabine suspendue. Pareil, comme d'habitude, c'est une énigme, mais je pense que la cabine finira par basculer au niveau du vide. Pareil, juste derrière la vigie. Une cabine qui bascule à 25 mètres de haut, pourquoi pas. Ça peut être rigolo. Le truc de Garibou de Jean-Marc Généreux, on l'a vu aussi. Le bingo c'est beau. Toujours Woody Revelli en prison, ça aussi. Et puis il prend un nouveau truc, un atelier mugshot. Vous savez de quoi ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il y a shot dedans, tu dois connaître, non? C'est quoi? Mugshot. Ça joue d'alcool, ça. Non. C'est ce qu'on fait, les photos de prisonniers, tu sais. Ah. Tu sais, les photos où ils tiennent une pancarte. Ah, ok, oui. Bah, apparemment, son épreuve va ressembler à ça, c'est pour ça qu'il doit y avoir ce truc de photographie. Et puis voilà, et puis dans les photos, j'ai glissé 2-3 trucs qui n'ont pas encore d'explication. Tu peux, vas-y. Il y a une trappe au niveau du jugement, là. Peut-être juste pour la réaction. On verra bien. Mugshot, ouais, ça me plairait peut-être. Pareil, un tonneau avec des explosifs dessus, on sait pas encore à quoi ça correspondra. Ça te plairait, ça, Xécante ? Ouais, aussi. Un tonneau. Et enfin, il y a une porte, on sait pas où elle est exactement, mais une porte originale qu'on n'avait pas encore vue sur le fort. Et puis, rapidement... Porte de prison, ouais, quand même. Ça ressemble à la prison. Rapidement, le casting. Alors attention, une équipe improbable composée de Nabila et Nbagali Merda. Oh mon dieu, s'il vous plaît. C'est la Nabila, pire émission, vous êtes au courant? Nabila, son mec, Magali Berda, un mannequin random, et puis les humoristes pas drôles, Eric et Quentin. Donc ça va être une catastrophe. Au moment, ça repart avec aucun boyard. Par contre, vraiment, je sais pas. Nabila s'est cassé un homme pendant le tournage aussi. Super, ouais, grosse news. Je sais pas dans quelle équipe, mais il y a, je crois, il y a Dave. Si je dis pas une connerie. Ouais, il y a Dave, effectivement. C'est incroyable. Toutes les équipes en NG, si tu les as, non? Je les ai, mais est-ce que c'est pertinent de tout faire tous rapidement? Ouais, non, moi ça m'intéresse. Enfin, oui. Rapidement, dans la première, il y a Frankie Zapata, l'inventeur du playboard. Du coup, il va se retrouver face à la gaffe qui va faire la même chose, ça va être rigolo.
Ah, ça peut être sympa, c'est vrai, détruire. Oui, exactement. Entre autres, il y a des animateurs télé, il y a des mannequins qui n'ont rien à voir là-dedans, il y a des danseurs qui n'ont rien à voir là-dedans aussi. Il y a beaucoup de Miss France, comme d'habitude. Il y a notamment Iris Miss Univers avec son mec. Il y a un acteur d'ITC, non ? D'ITC tout comment, je crois, non ? J'ai bien vu. Je sais plus. Il y a l'acteur, le gosse de Lupin, non, c'est ça ? Ouais, dans l'émission de tournée aujourd'hui, effectivement. Il y a un acteur qui est dans la série Lupin, mais tout seul, genre sans personne d'autre pour l'accompagner. C'est bizarre. C'est curieux. J'aurais pu ramener Omar Sy, vraiment. Ouais, ils auraient pu. Hein. Je pense qu'il est trop cher pour ça. Il y a Thibaut InShape et Juju FitCat, hein, le couple de youtubeurs, bien entendu. Ils sont dans l'équipe des habitués avec Bruno Guillon, Sylvie Tellier. Imagine, tu passes de McFly et Carlito à Thibaut InShape et Juju FitCat. Hein. Le glow d'un. Avec. Il y a plusieurs candidats de Koh-Lanta aussi. Il y a Vincent, en tout cas, c'est déjà pas mal. Vincent de cette saison de Koh-Lanta. Il y a Paul des 12 comédies, intéressant aussi. Je sais pas ce qu'il faut là-dedans non plus. Ouais, c'est pas. Ça veut dire que je pourrais faire Koh-Lanta aussi, moi ? Pardon. Non, t'es pas dans les 12 comédies. Faut être intelligent, en fait. C'est la différence. Enfin, non, pourquoi j'ai Koh-Lanta, moi ? Enfin, faut pas dire. Il y a Fantasnas du Montsal de Ninja Warrior, le boss de Ninja Warrior. Ah, ça va être intéressant. Puis voilà, tout un tas de monde. Il y a Philippe Etchebest. Ah, retour aussi. Ça, je l'aime bien. J'avais pas vu son nom, son blaze, donc. Philippe Etchebest avec Michel Saran. Ah, bien. Samuel Etienne, je crois pas, par contre. Hein. Non. Désolé de te voir, mais. Je crois que la saison dernière, ça. C'était blessé plusieurs fois, apparemment, Samuel Etienne, donc il veut plus revenir. Hein. Oh. Je crois que c'est ça la news. Puis voilà, tout un tas de monde, il y a vraiment du monde. Hein, donc pour le coup, il y a 66 personnes, on va pas tous les citer. Mais en tout cas, il y a des profils intéressants. Il y a des sportifs dans chaque équipe. Et puis il y a des gens un peu plus diversifiés. Il n'y a pas une équipe de full animateur ou de full chanteur. Par exemple. Bah, il y a quand même une équipe full Miss, non ? Je le trouve bien. Pas forcément, non. Il y en a un peu partout des Miss, mais pas forcément dans la même équipe. Je le trouve bien par l'équipe à Nabila, ouais, c'est tout. Enfin, ouais, Nabila, ça va être... Ouais, c'est avec un carnage. Ça va être une catastrophe, mais ça va être rigolo à voir, en tout cas. Ah oui, bah là le bêtisier. Voilà, en tout cas, cette saison, sur Fort Boyard. Cette saison, on me donne envie de regarder tous les épisodes, et non pas que les deux premiers. Genre, non, mais rien que le cast me donne envie de tout regarder. Mais sinon, je regardais, mais le site officiel de Fort Boyard, ils l'ont changé. Maintenant, c'est fortboyard.tv, et ils ont changé les graphismes et tout. C'est pas le site officiel, mais oui, ils ont changé, hein. C'était celui-là où il y avait tout, quoi. Oui, c'est un site de... C'est pas officiel, mais c'est un site de fans aussi. Ils ont dû changer l'IP vu que ça marchait plus. Ouais. Qu'un rapport. Voilà pour le point sur Fort Boyard. On avait dit qu'on le ferait, donc... Oui. Bah merci, du coup. On va enchaîner un peu. Luc Calato, voilà, il a compris, il a bougé sa tête. Et ensuite, on enchaînera avec Tumix qui a préparé un petit truc, normalement, je crois. Ouais. C'est vrai qu'il y a une chronique lui maintenant. Hâte de voir ça. Ouais, il y en a qui tapent ici. La prochaine, tu la feras avec moi, Exéquence. Écoute, Prax. La prochaine, tu veux que je la fasse avec toi, Tomix, hein. Ouais, je viens de me tourner, j'ai pas eu ton skin, tu dégoûtes. Ok, c'est bon. Mais. Donc, bienvenue dans la rubrique films et séries. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un a été au ciné ici ? Non. Oui. Du tout. Oui, j'ai été. Non, parce qu'il n'y a aucun film qui m'intéresse qui est à l'affiche. J'ai été voir Demon Slayer. Vraiment ? Avec des potes. Ouais. Apparemment, il est bien. Bien sûr. Et j'ai été crié chiche dans le cinéma. Waouh, tu sais que tu mérites la mort, hein, vraiment. Non, j'ai pas fait, mais les gosses de 12 ans, ils le faisaient tous. Bah, ils méritent la mort. Je tiens. Mais les niègues, ils disaient tout ça. Vraiment, non, c'est. Tu aurais été avec ça, hein, vraiment. Mais les niègues. Non, c'est trop. Donc, oui, j'étais au cinéma, Max. Vas-y, continue. D'accord, merci. Du coup, pour info, depuis la réouverture des salles, il y a eu 2,1 millions d'entrées. Oui, j'ai deux cinémas. Ça a été rouvert quand ? Le 19. Hein. Oh, attends, 10 par jours. Exemple, le film Adieu les cons.
a enregistré le plus d'entrées avec 330 000 billets. Il y en a combien, Demon Slayer ? Suivi du film d'animation japonais Demon Slayer avec 270 000. Ouais. C'est bien, hein ? Franchement. Bah, ouais. Alors, les grosses sorties cinéma de mercredi prochain. Donc, tout d'abord, on a Nobody, un film d'action sur un homme fuyant toute violence qui va finalement péter un plomb et tout faire pour protéger sa famille. Et Billie Holiday, une affaire d'État. Ce film raconte l'histoire de la légendaire chanteuse de jazz Billie Holiday, qui s'est battue contre les discriminations raciales. Adorée à travers le monde entier pour sa musique, elle est la cible du département fédéral des stupéfiants dans le cadre d'une opération d'infiltration. Ce n'est pas à cause de sa consommation d'héroïne qu'elle est visée par l'État, mais à cause d'une de ses chansons anti-racistes. Alors, rien capté. Oui, alors. Voilà, lève un peu ta tête. Alors, okay. Amazon a racheté MGM, donc vous savez, avec le lion. Par exemple, MGM a produit les James Bond, les Rocky, A Star Is Born, Stargate ou encore les Hobbits. Alors, à votre avis, pour combien Amazon a-t-il racheté MGM? Ouais. Je crois que c'est en... Je parie bien sur un petit 50 millions, 100 millions. Je crois que c'est... Alors, je dis peut-être de la même, je crois que c'est genre 8 milliards, un truc comme ça. Quoi ? J'en sais rien. Ah. C'est énorme, 8 milliards, hein. Non, en vrai, j'en sais rien. 8,45 milliards de dollars. Oh voilà. Ah ouais ! C'est bien soit plus de 10 millions d'euros. Plus cher que Neymar. Après, Amazon, pour eux, c'est rien, hein. Faut se rendre compte. Ouais, mais c'est plus cher que Neymar, quand même. Mais bah, logique. Non, mais... Avec 8 milliards, tu t'achètes 3 équipes de Neymar, vraiment. Andy en parlait tout à l'heure, l'épisode réunion de la série Friends est sorti jeudi sur Salto, du coup. Il sera d'ailleurs bientôt disponible sur TF1 à une date inconnue. Le trailer de Escape Game 2 est sorti. Oh, let's go. Rappel, c'est parti. Le film arrivera le 11 août. Déjà ? Le Conjuring avant. Timothée Chalamet va jouer Willy Wonka dans le film Wonka prévu pour 2023. Ce sera sur la jeunesse de ce personnage avant le début de sa chocolaterie. Ils le tournage. Ils peuvent pas prendre Johnny Depp. Tellement le plus, hein. Oh non, vous pouvez me décaler. Oh, t'abuses, Rox. Oh, mais qu'on avance. Le tournage du film Sonic 2 est terminé. Il est toujours prévu pour le 6 avril 2022. Et Adult Swim a annoncé 4 nouvelles séries, notamment un spin-off de la série Rick et Morty qui s'appellera Vindicator. Arrête de casser le fond vert. Alors, maintenant le point Netflix. Point Netflix. C'est au tour de Netflix d'annoncer son événement qui s'appellera Geeked Week. Il sera virtuel et gratuit et se déroulera pendant 5 jours du 7 au 11 juin. Il y aura du nouveau pour beaucoup de séries, mais je vous redirai les infos. On a la date de la 5e et dernière saison de La Casa des Papel. Enfin la dernière. Enfin, encore. Divisée en 2 parties. La première sortira le 3 septembre et la deuxième le 3 décembre. Netflix a sorti une bande-annonce pour la 2e partie de Lupin. Ouais. D'ailleurs, dans le trailer, on voit une adresse internet et quand on la tape, on tombe sur un site où il y a écrit que la série a été renouvelée pour une partie 3. Oh, mmh. En vrai. Attends, parce que attends un peu parce qu'il y a Coca qui gagne avec les fonds verts. Le film Enola Holmes aura une suite d'ailleurs. C'est qui ? Ah, c'était un film, c'était pas une série. Il y a eu de grosses sorties depuis la dernière fois, donc depuis 2 semaines, il me semble. Notamment Babysitting 2, Gladiator, 50 nuances de Grey, qui a tué Sarah. 50 nuances de Grey. Qui a tué Sarah, meilleure série. Putain, meilleure série, effectivement. Mais Sarah est encore en vie, je te l'ai dit, on la voit partout.
Army of the Dead, Ragnarok saison 2 ou encore la saison 5 partie Ragnarok, 2. Ragnarok, t'es très bien d'ailleurs. Army of the Dead, il y a tout le monde qui dit que c'est bien. Est-ce que quelqu'un a regardé? Non. Je crois qu'il a regardé. C'est dommage, si tu veux regarder une bonne série, Ragnarok, c'est très bien. Non, je crois que c'est Nya qui l'a regardé. Est-ce que tu fous, coquin? Qu'est-ce qui me TP alors que je suis sur mon siège? Cette semaine sur Netflix, on commence avec mardi 1er juin. Avec le film Catastrophe Poséidon, toutes les saisons de Startup, la comédie française Au bout du compte, la comédie romantique La Délicatesse, le Robin des Bois de 1991, le thriller horrifique Le Meurtrier de Minuit, Trou Noir aux confins du savoir, Il était une fois les super mini-monstres, le film Stuart Little, la saison 2 de Heidi, et bienvenue à Zombieland. On continue avec le lendemain, donc le mercredi 2 juin, avec le film Carnaval. Le jeudi 3 juin sortira la comédie musicale Danse avec les Queens. La saison 2 de 3 mètres au-dessus du ciel. Et la partie 1 et 2 de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, le film. Toujours plus long le titre. Le vendredi 4 juin sortira la série attendue adaptée d'un comics, Sweet House. La saison 2 de Feed, d'ailleurs. Une série comique romantique. Le thriller de vengeance extrême. Le film coréen Sweet and Sour. Les documentaires Le Monde qui nous habite et Notre planète à ses limites, qui, contrairement à beaucoup de documentaires, lui, va proposer des solutions. On finit Making avec le samedi, donc dans une semaine, le film documentaire Chat et la saison 6 de Vikings de l'épisode 1 à 10. Maintenant, le point Disney+. Le tournage de la nouvelle série Marvel, Miss Marvel, est terminé. Cela arrivera normalement fin 2021. Des nouveautés la semaine prochaine, donc le vendredi 4. Très attendu, le nouveau film des studios d'animation Disney, Raya et le dernier dragon, sortira. Pour résumer le film, en gros, il y a longtemps, dans un royaume fantastique, les humains et les dragons coexistaient en harmonie. Cependant, lorsque des monstres des ténèbres sont apparus et ont mis le monde en danger, les dragons se sont sacrifiés pour sauver l'humanité. Maintenant, près de 500 ans plus tard, ces mêmes ennemis font leur retour. Le tout se repose sur une jeune guerrière qui doit retrouver le dernier dragon. Sortira aussi 3 épisodes de Genius, un sur Einstein, un sur Picasso et un sur Aretha Franklin. La saison 1 de Légion, une série Marvel. Le court-métrage Nous Toujours, le film Adèle Blanc-Sec. Les 11 saisons de la série Clem. Le célèbre film Armageddon. La saison 1 d'un documentaire sur le hip-hop. Le documentaire Little Big Man. Fils Lama Jama. Et Corée vue du ciel. Pour finir le point Prime Vidéo, le film Cendrillon avec Camila Cabello a été racheté par Amazon Prime. Il devait sortir au cinéma et sortira sur la plateforme en septembre. Aussi, Amazon a renouvelé la série LOL pour une saison 2, avec sûrement de nouveaux humoristes. J'espère. Cette semaine, du coup, les sorties sur Amazon Prime. Demain, on retrouvera Roland Garros à suivre en direct sur la plateforme. Lundi, sortira le film 10 Cloverfield Lane. Celui-ci raconte l'histoire d'une jeune femme qui se réveille après un accident dans un bunker. Son hôte dit l'avoir sauvée et que si elle sort, c'est la mort assurée. Mais il y avait déjà Luffy. Attends, mais Luffy. Juste. Attends, après que le film a dit 10 Cloverfield, c'est pas nouveau ça, si? Deux.
Le film là où la meuf elle est dans un bunker. Bah ça a plus de 3 ans. Ah ok, parce que je me disais ça me rappelait quelque chose. Sortira aussi le film Whisky Tango Foxtrot. Attendez, je sais plus où il est. Il est là. Beaucoup de sorties mardi 1er juin avec Sicario, Inferno, Skylines, End of Watch, Tu ne tueras point, Locke, 48 heures, 48 heures de plus. Le vendredi 4 juin sortira Dom et le samedi 5 juin sortira Vikings, saison 6, première partie. C'est pour toi, Tomix. Donc, mais attends, voilà. La saison 5, elle va pas sortir ? Elle est déjà sortie, hein. Faut se mettre à jour. Mais j'ai entendu dire. Genre, attends, c'est avant... pas la saison 2 de Lucifer qui est sortie cette semaine ? Non, non, parce qu'il avait dit, il parlait tout à l'heure quand il a dit saison 5 partie A, il parlait de Lucifer. Oui. Oui. Mais là, c'est entendu... la saison 6 j'ai... partie A de Vikings. Vraiment, c'est j'ai entendu hein, Vikings saison 5 sortira, mais sur Netflix. Non, non. Comme ça. Vraiment, non, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Il y a aussi Lucifer saison 5 partie B qui est sortie. Sur Netflix. Ouais. Samedi aussi. Ah, ça mais attendez, il y a la saison 2 de Stranger Things. Il y a tellement. Oui. Non, mais frère, il troll, c'est bon. Ouais, mais Marseille, on en pas. Rattrape-toi, Coquet. Rattrape-toi, Stranger Things, en plus, ils veulent faire une suite, j'ai vu ça. Enfin, pas une suite, mais un. Moi, j'aimerais bien. Hein. Non, ouais, mais, faudrait... non, mais c'est prévu. Hein. Faudrait déjà que ça sorte la nouvelle saison. Teen Wolf aussi, est-ce qu'ils vont faire un film pour la suite? Teen Wolf, est-ce qu'ils vont faire un film pour la saison 7? Enfin, à la place, du coup. Ouais, c'est un peu nul. Ouais, donc. Bah, j'aurais préféré une vraie saison. Mmh, donc, ça fait bientôt 4 ans que je l'attends. C'est fini pour cette semaine. Oh voilà, non c'est fini déjà. Il n'y a pas Disney Plus? Mais il a mais déjà. Mais Coca, mais suis un peu. Non, il a rien dit sur Disney Plus. Il a dit Raya et le dernier dragon. Ouais, Raya, ah oui. Oh non, y a rien. Il faut suivre, eh oui. Bah allez, Tomix, en parlant de suivre. Maintenant, ça ouais. Suivre. Je suis attends. Avec toi, Tomix, si tu veux. Envoie ton truc. Mais tu sais même pas ce que je fais. C'est quoi ma chronique, frère? Mais si, c'est des séries. Séries et films. Oui, bon. Ta gueule. C'est les coups de cœur de Toto. T'inquiète, Coca va mettre l'image derrière. Mais y'a rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien. Je ferai la vie de ma mère, la prochaine fois, je fais un jingle. Vie de ma mère. Bon. Oh, je fais avec toi si tu veux, je suis chaud. Les gars, la prochaine fois, il faut me donner un jingle. Hein. Voilà. Allez. Ouais, bah, je ferai un jingle, moi. Mais il faut pas, quoi, pas l'image. Quand, à côté, exécante, dégage de là. Je présente avec Tomix. Non, allez. Non, tu dégages. Bouge de là, enculé. T'as qu'à faire ta météo. Dégage. Y'a pas Hiro, je fais pas la météo sur la roue, moi. Ça a deux ou rien? Ouais, chute. Tu l'as rien. Bon, du coup, Tommy s'y fait une chronique, ouais. Pourquoi ma TP? Arrête. Du coup, ma chronique, qu'est-ce que ça va être? Pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois toutes les semaines. Mais putain! Arrête! Tu te mets pas derrière le bureau, mais toi derrière le comptoir! Mais je veux être derrière le fond vert. Il est trop con! Écoutez-moi! Oh bon, ok, j'ai compris. Chiant. Du coup. Alors ma chronique, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les 2 semaines au maximum, après à voir si je peux tenir le rythme d'une par semaine, c'est présentation de séries ou films, ça dépend, sur Netflix, parce que tout le monde a Netflix, si oui. Vous l'avez pas, bah je m'en fous, c'est votre problème. Et du coup, je donne mon avis, etc. Pour comme ça, si vous savez pas quoi regarder, bah vous avez quelque chose à regarder. Et Loulou, bah je suis désolé, moi j'ai pas Disney+, hein, tu te démerderas. Moi j'y peux rien, hein, c'est pas ma faute aussi, hein. Déjà que je paye pas mon abonnement, donc je vais pas me plaindre. On va en parler de ça, je crois. Alors, la première série que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais en présenter qu'une parce que sinon, si je les présente trop, après j'aurai jamais assez. C'est une série du coup, qui est déjà à sa 2e saison. Il y a les 2 saisons disponibles. La 3e, elle va arriver. C'est Snowpiercer sur Netflix. Est-ce que déjà il y en a qui l'ont déjà vu? Cette série? Non. Ouais. Non. Quelle série, bon. Domix? Eh ben voilà, au moins ça veut dire que ma chronique elle va être utile. Mais quelle série? Snowpiercer. Ah, faut écouter un peu. Ah mais oui, j'ai déjà vu. Il y a Barma qui a déjà vu aussi. Ok. Bon bah ouais, ça va. C'est bon, moi, ça sert à rien de rentrer chez toi. Du coup ta chronique est inutile. Allez, on s'arrête là pour ce soir. Merci à tous d'avoir regardé. Tu vas voir toi. Va faire la météo toi. Allez, à plus. Je qu'est-ce que c'est que Snowpiercer? La météo de Guy. Oh là-haut, je parle là-haut, Xécante. Oh.
Alors, qu'est-ce que c'est Snowpiercer? Snowpiercer, c'est déjà l'adaptation d'une bande dessinée française, et oui, quand même, hein, qui s'appelle du coup le Transperce Neige, donc c'est la traduction, genre c'est tout con, Transperce Neige, Snowpiercer. De quoi ça parle? Alors, c'est une série dystopique, du coup, dans un monde post-apocalyptique, c'est une série américaine, produite par CJ Entertainment, et créée par Josh Friedman et Graeme Manson. Je sais pas comment on prononce. Et du coup, avec comme acteurs principaux, notamment David Diggs, Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Annalise Basso ou encore Stephen Hogg. Lui, je l'aime bien. Il est très fort. Du coup, alors, la série, elle est déjà disponible depuis le 25 mai 2020. Donc en vrai, elle commence à dater un petit peu. Il y a déjà 2 saisons de 10 épisodes d'à peu près 50 minutes qui sont disponibles. Au total, ça fait à peu près 17 heures de visionnage. Après, bon... si on enlève genre les intros et tout, ça fait moins. Et du coup, il y a déjà la 3e saison qui est en cours de tournage. Et du coup, ça devrait arriver normalement, de ce qu'on sait, premier semestre de 2022. Après, on sait jamais, avec Covid, ça peut ralentir. Du coup, le synopsis. Alors, 7 ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée suite à la tentative ratée de scientifiques pour refroidir la planète et contrer les effets du réchauffement climatique, les survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement, le Snowpiercer du coup, qui est composé de 1001 wagons de long. Le train fait le tour du monde à toute vitesse. À bord, la guerre des classes, l'injustice sociale et la politique interne sèment le trouble quand un corps est retrouvé émasculé. Émasculé, qu'est-ce que c'est? Je vous le laisserai aller chercher, c'est pas cool. L'ancien du coup policier André Layton, un sans-ticket, donc c'est genre les classes les plus basses, incarné par David Diggs, est cherché du coup d'enquêter sur ce meurtre et il va faire des découvertes plus ou moins spéciales, graves, etc. sur le train, qui vont mener à des événements plutôt sympas. Du coup, voilà. J'ai pas plus, j'ai donné mon avis maintenant sur la série. Perso, j'ai bien aimé, sinon je vous la présenterais pas, quand même, ce serait con. Perso, j'ai détesté. Mais tu l'as pas vu? Ah, arrête non, merde. Voilà, hop, tu t'es maintenant. C'est du quand coup, t'as un avis sur la série, comme ça on a plusieurs avis. Bah attends, je dis d'abord la mienne. Flemme, je suis en train de faire un truc. Déjà, moi... Au niveau de la série, en vrai, elle est cool. C'est pas genre la top série, c'est pas énorme, genre Prison Break, mes couilles, non. Faut pas abuser non plus. Mais en vrai, c'est une série qui se regarde vachement bien. Genre, après 2-3 épisodes, t'es dedans et ça enchaîne trop bien, donc en vrai, c'est bien. En plus, si vous commencez maintenant, en vrai, la saison 3, elle arrive dans pas longtemps. Au niveau des visuels, genre des trucs qui sont filmés et tout, c'est trop bien fait. Et il y a aussi genre des... Bah, il monte aussi l'extérieur du train, du coup, avec full image de synthèse, donc bon, voilà. Et c'est genre des paysages qu'on connaît, genre du monde n'importe où, mais avec tout en glace, c'est ultra stylé, donc en vrai, c'est trop beau à regarder. Et voilà, et c'est très bien monté, très bien réalisé, bref, c'est sympathique. Et du coup, je vous la conseille, elle est sympa. Okay. Et c'est pas trop long, c'est pas genre, ils ont pas trop tiré sur la série, donc en vrai, ça va. Ils ont pas trop abusé. Normalement, je pense... que la saison 3 devrait être la dernière. Voilà. C'est une série nationalité quoi? De quoi? C'est une série nationalité quoi? C'est américaine. Donc je regarde pas. Bah. Je connais pas. Et voilà. Bah c'est un peu le but, si je vous présente des séries que tout le monde connaît, c'est un peu con. Cool, casa. Attends, tu vas pas nous présenter la Casa de Papel. Ah pourquoi pas? Et alors? Et il y en a qui l'ont pas vu ici, je le sais. Voilà. Ouais. On se porte très bien. Donc voilà, peut-être la prochaine fois j'essaierai de faire 2 séries. Parce que comme ça vous donnera un peu plus. Ou alors série-film. J'essaierai de faire série et film, voilà. Xécant, donne ton avis. Attends, je veux l'avis de Xécant sur la série du coup. Parce que apparemment il l'a regardé. Non, j'ai pas regardé, je voulais juste troll. Voilà. Okay, oh, bon, il voilà. Casse les couilles ce gosse. Merci d'être venu, Xécant en tout cas. Ouais, mais ça le truc c'est que j'ai pas plaisir. Toutes les plateformes donc je pourrais pas genre présenter et donner vraiment mon avis donc. Juste mais on va te payer les abonnements. Oui. Ah ouais, vas-y. Hein. Un Prax, tu fournis. Oui, Prax, il fournit tout, il a tout lui. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui vont regarder la série du coup? Non. Ah, ah. Non. Bah peut-être. Voilà, Prax, il veut Prax. Pas vexer. Il y a un mec gentil dans l'équipe. Prax, il est juste sympa. Voilà, Coca. J'ai que voilà. Ça a branlé, frérot. Il y a l'euro dans pas longtemps. Moi, je vous dis, c'est bientôt les vacances d'été. Voilà. Oui, bientôt, c'est dans un mois. C'est 17 heures de visionnage. Ça sort une journée, hein. Si vous levez assez tôt, vous dormez pas trop, ça sort une journée. Il y a trop de choses. Ah oui, c'est quand même bien. 17... Enfin, c'est...
Bah, en vrai, ça va. Ah, c'est pas mal. Bah, ces deux saisons, en vrai, ça va. Ils sont pas trop abusés. Et bah, merci Toto, du coup. Et bah, on va se laisser là. Non, il y a quelqu'un, il a dit qu'il veut faire, il veut faire une chronique. Hein. Allez, non, mais la prochaine fois. La blague. Merci à tous de nous avoir suivis. Semaine prochaine, on sera sans coca. Donc, les plans seront fixes. Moins bien. Et moche. On sera aussi. Bon, normalement, il y aura tout le monde de là. Ouais, on fait ça. Ouais, normalement, ouais, 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 t'inquiète pas. Voilà. J'ai t'en parler. Ceux qui seront pas virés d'ici là, quoi. Oui, hein, c'est quand. Bah oui, putain. Oh, c'est quand c'est pas viré. Oh là là. Mais je me suis fait taper toute l'émission. Bah, c'est lui. On en reparlera. Non, pas de jeu. Bah, il est déjà 22h17. Il y a la Ligue des Champions. Coca va devoir aller au lit. Moi aussi. J'irai fréquenter une cantine, Coca. Cantine. Et Loulou aussi doit aller au lit, on n'oublie pas. Loulou aussi, mais il est malin, mais. Je vais indiquer chez Sarah, moi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ouais, Loulou, c'est un scooter, Loulou, maintenant. Voilà. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Même heure, s'il n'y a pas Fort Boyard de demi. Et on décalera pour Fort Boyard, peut-être. Bien sûr. On va peut-être pas faire. Ah oui, Fort Boyard, on le met à chaque fois. On commencera pas la semaine prochaine. Ah, C'est vrai qu'en fait, si on fait notre le 20 ans, c'est concurrence déloyale pour eux, on va leur enlever tellement d'audience. On leur fait de l'ombre, tu vois, c'est pas sympa. Comme la saison dernière, on fera ça le vendredi. C'était le dimanche qu'on faisait. Non, c'était vraiment le vendredi. Non, c'était vraiment le dimanche. Ah ouais, je sais pas pour vendredi alors. Ouais, le dimanche. Le gars, il a cours en fait le lundi. On en reparlera quand ce sera le cas. Pendant les grandes vacances, il a cours, t'inquiète. Allez. Allez, Adjo, bonsoir, comme disaient les guignols. Allez, au revoir. Salut. Bonne nuit. Ouais. Allez.